Ravi de retrouver ce panel assez exceptionnel avec un ancien ministre de la réalité virtuelle lui aussi, parce que maintenant on ne va plus dire ministre du numérique, on dit ministre de la réalité virtuelle, et avec un panel assez exceptionnel. Alors, peut-être juste faire un petit chapeau de comtesse, comme on dit dans notre métier, notre jargon journalistique. Moi j'ai l'impression, et je voudrais vous faire réagir dans un premier tour de table là-dessus, qu'on vit un tournant quand même, et on a appelé exprès avec Sylvain quand on a réfléchi il y a quelques mois à cette séquence, on a appelé ça « The Big Reset », pas pour faire de l'anglais par plaisir, mais on avait anticipé peut-être, coup de chance, qu'il allait se passer des choses. Et on les sentait venir, peut-être pas à ce point, on ne sentait pas venir une telle vague. Alors trois tournants, on en a un peu parlé avec le ministre, un tournant un peu financier, hein, d'un point de vue de ce qui se passe sur les valorisations, la hausse des taux d'intérêt, le nouveau contexte d'inflation qui change quand même la donne. Alors, est-ce que c'est seulement un cycle ou est-ce que c'est structurel? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est peut-être aussi l'occasion de rebattre les cartes? Un deuxième tournant, un deuxième choc qui est de nature géopolitique. On connaît une époque assez triste de guerre, hein, la guerre est revenue dans le monde, en Europe en particulier, mais dans le monde, certains disent que c'est une guerre mondiale. Donc Russie-Ukraine, je ne rappellerai pas, et ça sera mon troisième point, que c'est Vladimir Poutine qui a dit il y a quelque temps que celui qui dominera l'intelligence artificielle sera le grand méchant qui dominera le monde. Ce n'est pas pour être au Grand Rex à faire de la science-fiction pour se faire plaisir, mais c'est quand même, on vit une époque où on se pose pas mal de questions sur un monde, en tout cas, qui se referme et qui n'est plus celui qu'on a pu connaître. Et puis un troisième tournant, qui est un tournant technologique, l'IA, game changer. Avant, on mettait tout l'argent dans le métaverse. Je crois que Zuckerberg y a mis quelques fortunes. Bon, il en a encore pas mal. Hein. Ensuite, la blockchain, le Web3. Et puis, toutes ces modes ont l'air d'être wiped out d'un coup avec l'arrivée de l'IA où tout le monde se précipite vers l'IA. Donc, je voudrais vous faire réagir dans un premier temps, Olivier, peut-être Sichel. Vous êtes là à la fois en tant que directeur général délégué de la Caisse des dépôts et patron de la Banque des territoires. Vous avez d'ailleurs cette expérience aussi de ce qui se passe sur le terrain et de fondateur de la Digital New Deal Foundation avec qui on a un peu travaillé la tribune. On avait fait une assez spectaculaire, vous vous en souvenez peut-être, quand il y avait un hebdomadaire papier, c'était Data Wars. Olivier, quelques minutes de présentation là-dessus, de réaction, puis peut-être on écoute les uns les autres. Oui, alors, tournant financier, Philippe Mailly, vous avez totalement raison. Moi, je pense qu'on voit bien toute une série d'accumulations de signaux. On a eu la baisse de valorisation de Facebook divisée par deux, c'est quand même 500 milliards de market cap qui sont partis. On a eu la faillite de FTX, qui était quand même un leader dans cryptocurrencies. On a eu la faillite de la Silicon Valley Bank. Quand on sait l'institution qu'est la Silicon Valley Bank, c'est quand même assez énorme. Nous, on était allés voir au mois d'août, je suis un peu sensible, parce que ça a la même taille que la Banque des territoires. Ça fait 400 milliards de bilan, et donc quand ça s'évapore en 48 heures, ça vous donne des sueurs froides. Et donc tout ça montre qu'il y a un certain nombre de craquements provoqués par la hausse des taux d'intérêt qui est, dans le monde des start-up où on promet 100 millions de profits à 10 ans, quand vous êtes dans un monde de taux d'intérêt à 0,5, ça reste à peu près la même chose. Quand vous êtes dans un monde d'intérêt à 6%, c'est pas du tout la même valeur. Tournant financier, très certainement. Tournant géopolitique qui affecte la tech, avec ce qui a été dit précédemment en présence du ministre sur les transferts de données, mais aussi la réaction face à TikTok, la guerre en Ukraine, la démondialisation dont on a chaque fois des signes. Tournant technologique, certes, moi je rajouterais un tournant aussi philosophique et politique, purement politique. Contre toute attente, cette semaine j'ai signé le moratoire. Donc là on a un petit désaccord avec... Le moratoire d'Elon Musk. Le moratoire d'Elon Musk, oui. Et je ne pensais jamais être sur la même ligne philosophique qu'Elon Musk. Vraiment, c'est pas... La Digital New Deal défend des positions humanistes européennes. Et qu'est-ce qui fait que j'ai signé ce moratoire? Ce n'est pas tellement la question du moratoire. Qu'est-ce que dit cette lettre? La lettre, il faut revenir au texte, hein, comme disait mon prof de français, revenez au texte. Le texte ne demande pas seulement un moratoire sur 6 mois sur l'intelligence artificielle. Il souligne les risques, on peut être d'accord, pas d'accord, il y a un certain nombre de risques sur les fake news, le contrôle, l'émergence d'une intelligence artificielle qui prendrait le pas sur l'humanité. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 6 mois?
Et c'est très étonnant ce qu'on lit dans les 6 mois. Alors moi, il y a vraiment 4 choses qui m'ont bluffé. La première chose, c'est que ce que dit cette tribune d'Elon Musk, c'est que tous ces risques ne doivent pas être délégués à des « unelected tech leaders ». Unelected tech leaders, c'est pas eux qui doivent décider. Alors que globalement, dans le monde de la Silicon Valley, le tech leader, il avait tout. Si tu as des fonds, si tu as de la technologie, eh ben c'est toi qui décides jusqu'à ce que tu aies quelqu'un en face de toi qui a plus de fonds et plus de technologie. Mais alors, un deuxième point, de dire il faut mettre en place une gouvernance avec des policy makers. Alors là, les bras m'en tombent. À la Silicon Valley, le policy makers, c'est un type corrompu qui fait des trucs louches à Washington. C'est certainement pas l'idole absolue qu'on a aujourd'hui de l'entrepreneur qui se lève en jean, qui sort de Stanford et qui change le monde. Ça peut pas être un policymaker. Et là, on appelle à une gouvernance avec des policymakers et des gens qui seraient élus, avec une légitimité démocratique. Mais vraiment, là, c'est absolument une révolution. Alors, et qui, pour faire quoi ? Qui a signé du coup le moratoire ici, à part... tu n'as pas signé, n'est-ce pas ? Absolument pas. Alors, je continue juste avec les deux derniers éléments. On laisse Olivier terminer en 2 minutes, Olivier, pour qu'on puisse faire le tour de table. Et qui appelle à quoi, pendant ces 6 mois de moratoire, à créer des autorités de régulation, Oresco référence, des autorités de régulation. Et alors, le pire du pire, c'est du public funding for safety research. C'est-à-dire que l'État finance de la recherche pour établir la gouvernance de trucs. C'est une tribune de syndicalistes sud du CNRS, si ça. Si je vous suis, Olivier, ce que vous mettez en cause, et on peut le comprendre, ça, c'est un registre de quelle est la légitimité de ceux qui vont réguler ou qui font ou qui vont réguler l'intelligence artificielle. C'est presque un sujet, un débat démocratique et éthique. Je crois que ce texte, il est assez fondateur, où on passe vraiment de il y avait eu un texte de Google sur l'éthique qui date d'il y a quelques années. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non, je ne devais pas signer ça. Qui disait ça, déjà. Mais globalement, quand même, on passe de l'époque Code is Law, qui était quand même l'éthique de la Californie, de la Silicon Valley, en disant ce qui est la loi, c'est le code, et donc c'est l'IA qui le définit, à tout d'un coup, non, c'est la loi qui va définir le code. Donc c'est un vrai test de rupture. Merci beaucoup. Juste pour rebondir sur ça, donc au-delà de la question du moratoire, la question que j'ai envie de poser à Asma Mala, du coup, pour qu'elle réagisse un petit peu sur ça, c'est est-ce que subitement, on est entré dans une nouvelle ère de la tech, une ère où tous convergent vers un nouveau moment pour la tech, où elle devient plus politique et plus géopolitique ? On va vous prêter un autre micro. Tout dépend ce qu'on appelle ou ce qu'on définit une nouvelle ère. Moi, ce qui me frappe beaucoup sur les débats actuels publics sur la question de l'intelligence artificielle, c'est que c'est exactement, absolument exactement et identiquement les questions qu'on se posait sur la vague de hype précédente en 2016-2017. Et ce qui m'embête beaucoup dans la façon dont le débat est posé, c'est toujours cet enfermement binaire qui exclut toute complexité de réflexion sur les questions que tu pointes, qui est toujours formulée de la façon suivante, danger, progrès, révolution, la fin de l'homme, la machine, la fin du travail, que des trucs fantasmatiques qu'il faut absolument démystifier. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution ? Je ne crois pas. La révolution, en réalité, elle n'est pas une perspective, elle n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui a eu lieu, c'est quelque chose qui est en cours. Et il ne s'agira à aucun moment qu'il y ait un beau jour où tout le monde va se réveiller avec un avant-après. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer, et ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Le progrès technologique, ou en tout cas les innovations technologiques, la courbe sur laquelle on est inscrit, en fait, ce sont des courbes de temps long, ce sont des progressions, c'est un processus. Et parfois, il y a des sauts technologiques, et parfois, il y a des surprises. Dans le cas, dans le moment qu'on est en train de vivre là actuellement sur l'IA, l'innovation, elle n'est pas tant technologique en réalité. Les modèles existaient, vous connaissez l'analyse par cœur. Ce qui est par contre hyper intéressant, c'est le timing. D'une part, il y a une start-up, et d'ailleurs, la forme de la start-up est très intéressante parce que c'est une autre forme, une forme supplémentaire d'hybridation où c'est à la fois un centre de recherche et à la fois une start-up. Vous voyez que tout s'hybride en permanence. Et s'il y a un shift à pointer, c'est peut-être celui-là, c'est que tout est en train de devenir absolument et totalement symbiotique. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire que non seulement la technologie est duale, mais pas simplement,
On va entrer, en effet, mais progressivement, et le monde ne s'effondrera pas, je vous rassure, dans quelque chose où le virtuel et le réel, le faux, le vrai, et ça, ChatGPT, on pourra en parler peut-être, sur la dimension géopolitique de ces outils-là qui sont donc duaux, donc à la fois civils et militaires, tout ça s'imbrique, tout ça s'interpelle, et ça va être de plus en plus compliqué de tracer une frontière. Et donc toute la question, elle n'est pas tant technologique en réalité que politique. Et c'est ça qui est fondamental. Après, je parlais du timing, ce qui est très intéressant, et j'en terminerai peut-être là pour ne pas monopoliser la parole, c'est qu'on est en effet dans un moment de recomposition des blocs, de chahutage, on va dire, de l'ordre mondial qu'on a connu jusque-là. Et la rivalité qui est en train de se joue évidemment entre les États-Unis et la Chine, en général, en particulier sur la question technologique. Il va y avoir deux grands combats, la question climatique et la question technologique, et parfois les deux convergent. Vous parliez tout à l'heure de SVB, de la faillite de la Silicon Valley Bank. Quand on regarde un peu entre les lignes, c'est très intéressant, parce qu'en fait, elle est aussi symptomatique de cette nouvelle compétition de la climate tech, d'une certaine façon. Et donc l'autre question, ça va être la question technologique, et en particulier la compétition autour de l'intelligence artificielle. Et pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce qu'elle est duale, et parce qu'en fait ce qui va cristalliser ces jeux de puissance et de pouvoir, ce sont les IA à usage militaire. Et ce qu'apportent les IA militaires, c'est trois choses : la précision, la vitesse, l'autonomie. Donc le premier qui gagne dominera le monde, d'une certaine façon. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. Et les géants technologiques américains, de ce point de vue-là, sont en fait des extensions, des bras armés technologiques de leur État, en l'occurrence les États-Unis. Et juste pour terminer sur la question du moratoire, pourquoi je ne l'aurais pas signé ? Personne ne me l'a proposé d'ailleurs. Mais pourquoi je ne l'aurais de toute façon pas signé ? Parce qu'il est d'une hypocrisie juste complètement folle et dingue. Et on pourra peut-être y revenir si vous le souhaitez. Peut-être juste pour prolonger ce que vous dites, mais ce que le volet militaire que vous évoquez en matière d'IA, mais peut-être aussi pour l'économie, en fait, le premier qui arrête est mort. Le moratoire, c'est d'arrêter. Absolument, absolument. Le premier qui arrête est mort. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que jusque-là, sur la question des IA militaires, l'Europe voulait absolument installer une conversation sur l'éthique des IA militaires. Qu'est-ce qu'on entend par IA militaire ? C'est évidemment les armes autonomes, les fameux drones, essaims de drones, toutes les armes automatiques, autonomes d'ailleurs, plus qu'automatiques, mais aussi une forme de nouvelle révolution dans les affaires militaires autour de la façon dont on traite la volumétrie absolument gigantesque des données et des données militaires qui sont aujourd'hui devenues intraitables par la cognition humaine. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est en fait une nouvelle façon d'appréhender la chaîne de commandement. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait qu'il y avait le climat climatique, le climat politique et géopolitique. Et je voulais faire le lien avec justement la faillite de la SVB et la crise du financement de la tech. Le ministre tout à l'heure, il parlait d'une crise cyclique, un petit gros. Voilà, il y a des cycles, ça va, ça vient. Est-ce que c'est vraiment ça ? Ou là, je pense plutôt à Marie Klein et moi, j'oublie pour répondre dans un premier temps. Est-ce que c'est vraiment une crise cyclique du financement de la tech ou est-ce que c'est une crise plus profonde de modèle en fait de la tech ? Moi, en fait, je crois aussi qu'on veut une révolution, mais en fait, je pense qu'on est surtout dans une vague complète de transformation qui, après celle du numérique, est celle de la révolution durable. Et c'est assez intéressant parce que moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 2000, fin des années 90 à New York, à Wall Street, au tout démarrage de cette transformation numérique. Et je vois exactement les mêmes ingrédients aujourd'hui sur la transformation durable, c'est-à-dire qu'elle est portée par les gens qui, à titre personnel, sont en train de changer leur consommation, ils changent leur choix professionnel, ils changent leur choix même d'épargne, ils veulent que leur épargne et leur argent ils servent à trouver des solutions et pas à continuer à créer des problèmes. Et en fait, ce changement des comportements individuels, c'est exactement ce qu'on a vécu dans le numérique. Hein, donc c'est porté par les usages, ça va toucher toutes les sociétés, toutes les entreprises, dans tous les secteurs, dans toutes les géographies. Mais il y a trois facteurs exogènes d'accélération qu'on n'avait pas dans le numérique et qui sont très intéressants. Le premier, c'est évidemment la nature. C'est-à-dire que moi, c'est assez fascinant de voir effectivement la Californie qui dit l'IA va faire qu'on va tous mourir à la fin, alors qu'elle ne se pose pas la question de est-ce que la Californie elle-même est habitable dans 20 ans. Moi, je vous le dis, il n'y a pas d'eau. Voilà. Et en fait, c'est une diversion. C'est-à-dire que la symbiotique, elle est peut-être entre les gens et la technologie, mais elle oublie la nature, et la nature, c'est un élément fondamental de notre propre existence, en fait.
Et donc, il y a la nature qui pousse, qui fait qu'on doit s'adapter, en fait, on doit se transformer, c'est déjà là. Il y a la régulation qui pousse, la régulation a été un frein au numérique, c'est un facteur d'accélération énorme de la transformation durable. C'est-à-dire qu'à partir de 2024, et ce n'est pas du 2030, hein, c'est l'année prochaine, en 2024, tous les investisseurs financiers vont devoir reporter sur l'empreinte carbone de toutes leurs entreprises en portefeuille. Et en 2025, c'est toutes les entreprises cotées. Donc ça veut dire que cette année, toutes les entreprises qui ont été financées par des investisseurs institutionnels doivent faire leur bilan carbone. Et donc le reporter, se poser la question de comment ils doivent réduire leur empreinte, etc. Hein, donc c'est aujourd'hui. Et la dernière chose qui pousse, c'est la géopolitique, évidemment, avec du coup une dépendance et l'idée qu'on va sortir de cette croissance à tout prix, avec chacun est spécialisé dans un truc, ce qui crée des chaînes de single point of failure, de dépendance très forte à des géographies dont on ne sait pas si demain elles seront amies, à des entreprises dont on ne sait pas si demain on pourra compter sur elles, ou si on pourra même commercer avec elles. Et donc, on doit se reposer la question d'une croissance beaucoup plus multilocale, avec des écosystèmes régionaux qui sont beaucoup plus résilients et qui, du coup, renforcent cette trajectoire de la transformation durable. Donc, effectivement, moi, je pense que tout ça pour répondre à la question, qu'on est dans une transformation complète de l'économie et que la crise du financement de la tech, c'est juste qu'on est en train de passer de l'économie de l'attention à l'économie de l'intention. Je te coupe juste une seconde avant de passer la parole à Mounir pour rebondir sur ce que vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise de la sécession des élites? Je pense à ce qui s'est passé à SVB, c'est des millionnaires qui ont peur de perdre leur argent, qui en 48 heures ont fait ce qu'on appelle un swipe crash, c'est-à-dire avec leur smartphone, ils ont viré leur argent chez JP Morgan, pour aller vite, et le contribuable américain leur a apporté, ce qui est quand même un truc dingue en matière de finances, la fin de l'aléa morale, une garantie qui aujourd'hui est en train de poser un vrai problème de risque de contagion sur le système financier américain, voire mondial. Est-ce que cette sécession de la Californie qui est en train de gâcher l'eau, la dernière goutte d'eau servira à aller jouer au golf, est-ce que ce n'est pas un truc quand même qui dirigeait ce fonds 2050 et pas un truc réel quoi, qui se passe dans la société? Ce que je trouve surtout, c'est que ça montre le besoin de diversification. C'est-à-dire que SVB, c'est une banque qui était complètement concentrée en risque, en fait, sur un certain type d'actifs, qui, ces actifs-là, étaient complètement homogènes. Et donc, à partir du moment où quelqu'un prend peur, pouf, tout se diffuse. Et ce qui revient au single point of failure, au problème qu'aujourd'hui, on doit penser à une stratégie d'investissement. Ce que je veux dire, qu'il y avait zéro solidarité au sein de la clientèle de SVB. Ils ne se sont pas dit, on va foutre la banque par terre en quelques heures. Non, mais la SVB, ça a été du bank run hyper classique. Ce n'est pas un point de bascule particulier. Là où la séquence SVB est très intéressante pour deux choses. Un, c'est que ça s'est beaucoup joué sur Twitter. Et donc vous avez toujours maintenant, et ça va être la règle et la norme, puisqu'on va beaucoup parler de normes, le décalage permanent entre le temps politique et le temps technologique, en fait, ou même nos usages. Et donc cette immédiateté, mais même du coup des faillites, des systèmes ou des banques, est hyper impressionnant. Et donc en réalité, Twitter, on en a beaucoup parlé au moment de la séquence de Elon Musk, et donc très intéressant, parce que ça s'est beaucoup la panique s'est beaucoup jouée là. On fait des crashs sur les réseaux sociaux, quoi, voilà. Et puis avec le trolling classique, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, que je note sur la SVB, c'est que surtout, et vous aviez raison de le noter, elle baquait en fait des actifs à risque, et en particulier de la deep tech, sur le climate tech, c'est-à-dire des start-up technologiques. Et pourquoi la toute première réaction de l'administration américaine n'a pas été de sauver la banque? Elle a plutôt été, la toute première réaction était de dire ce n'est pas systémique. Et très vite, l'administration Biden, très très vite, a changé de braquet en disant mais en fait on va tout baquer pour une raison très simple, c'est qu'en fait la SVB finançait plus de 1500 startups en climate tech qui derrière allaient demander des subventions ou des aides du fameux Inflation Reduction Act, qui est donc un des actes fondateurs de quoi? De la compétition américaine aujourd'hui et dans le maintien de sa puissance. Je vous disais, il y a deux axes, la technologie et le climat. Il n'était pas tellement question de lâcher ce secteur-là, ou un secteur en émergence en tout cas. Olivier, un mot sur ça? C'est aussi le grand retour de l'État. La SVB, elle n'était pas régulée.
elle avait été dérégulée, elle faisait partie justement des banques non systémiques dans lesquelles il n'y avait pas tous les contrôles qu'exercent les autorités bancaires, notamment sur un concept bancaire archi-classique, on n'est pas dans la tech, qui s'appelle l'ALM, l'Asset Liability Management, qui est la capacité à assurer la liquidité. Parce que la banque n'était pas mal gérée, elle avait des profits, elle se portait bien, mais il y a eu un moment une crise de confiance qui fait qu'il y a eu ce bank run. Et alors ce qui est très paradoxal, c'est d'une part, on en rappelle à la régulation, mais surtout ces millionnaires ultra-libéraux qui n'ont pas arrêté de critiquer l'État, là tout d'un coup quand c'est mon argent à moi, il est absolument scandaleux que l'État ne fasse rien et que la Fédérale Réserve ne vienne pas. C'était les mêmes qui avaient dit choquant, les cryptocurrencies, hein, c'est très très bien parce qu'on va échapper à la régulation de l'État, on va faire notre propre monnaie, souvenez-vous du Libra, mais là quand c'est mon argent à moi pour justement aller faire mon golf, là il faut quand même revenir aux choses sérieuses. Donc je pense qu'il y a derrière ça un grand retour de l'État et du politique. Mounir Majoubi, du coup, qu'en pense l'ancien secrétaire d'État au numérique ? Dans tous les phénomènes qu'on vient d'évoquer, moi je vois aussi deux éléments importants que sont, et que vous avez rappelé, la politisation et l'accessibilité. Tout à l'heure, Marie, tu disais que ça commence souvent par les comportements des gens. Et c'est ça que j'appelle l'accessibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un militant, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour se poser au quotidien les questions environnementales et les questions de transformation. Il y a 10 ans, il n'y avait plus besoin d'être un grand scientifique ou un militant ou un early adopteur du numérique pour se rendre compte au quotidien des conséquences, des besoins, des nouveaux usages et de la nécessité d'avancer. Et avec l'intelligence artificielle et ce qu'a fait ChatGPT en un mois, on a eu en un mois ce qui est arrivé en peut-être 10 ans sur l'utilisation d'un moteur de recherche. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que jamais j'aurais voulu signer ce truc. Je ne sais pas ce que tu t'es retrouvé à signer ça quand même. Mais que plein de bonhommes blancs en Californie... Oh, il lui sera beaucoup pardonné. Mais non, mais que là-bas, eux se posent la question en se disant « Bon, bah, c'est vrai qu'on a toujours dit qu'on était contre les régulations, contre... Le... » Mais bon, mais nous, on a RGPD, on a des gouvernances intelligentes, qui a participé à les créer. Enfin, on est pas mal, on n'a pas besoin de les soutenir là-dessus. Mais ce que je veux dire par la révolution de ChatGPT, c'est que dans mon entourage, des gens loin du numérique, pas trop loin, mais qui ont mis du temps à y arriver, ils ont fait leur premier prompt. Et ben, la raison pour laquelle suspendre ces outils-là dès aujourd'hui, je trouve ça profondément injuste, c'est que moi, je trouverais toujours un endroit où aller prompter et m'amuser et continuer à développer mon intelligence de l'usage de l'IA. Mais si on bloque pendant 6 mois l'usage de ces outils, en fait, on interdit à toutes les PME, toutes les petites industries qui étaient en train de se dire « Tiens, comment ça va être utile chez moi ? Tiens, comment dans mes process, ça va me permettre d'être plus exact, plus rapide, de développer des nouvelles innovations et d'avancer plus vite ?» Et de le rendre accessible à qui ? Aux experts, aux early adopters et à ceux qui maîtrisent déjà. Donc je crois que cette question de l'accessibilité, elle est très importante. Et juste pour faire le pont, parce que je pense qu'Olivier s'est expliqué sur ses motivations à lui, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles d'Elon Musk, mais pour prolonger Mounir, on disait tout à l'heure avec Jean-Noël Barraud, c'est les 5 ans de RGPD. Donc, RGPD, je pense que c'est un sujet que tu connais bien, pour y avoir largement participé. Quel bilan, justement, on peut tirer ? Est-ce que RGPD, au moment où je racontais ces trois crises, notamment celle géopolitique, est-ce que ça peut être un atout pour l'Europe ? Parce qu'on est en retard, quand même. Une bouée de secours, on a perdu une bataille, deux batailles. Est-ce qu'on pourrait gagner, à la fin, quelque chose, quand même ? C'est un énorme atout. Parce que tout à l'heure, je parlais d'accessibilité, que tout le monde comprenne au quotidien les choses et les vive dans sa chair, dans son quotidien, et de politisation. Et la politisation, ce n'est pas juste que les politiques se saisissent des choses, c'est que tout le monde se dise, tiens, il y a des décisions à prendre sur notre façon de fonctionner ensemble. Je ne suis pas juste consommateur de mes services et de mes usages, je me pose la question de bah, comment moi je me comporte, mais aussi comment moi je souhaiterais que les autres se comportent, et donc je me confronte à des avis qui sont différents du mien, et donc je rentre dans le débat. Bon, pour tous ceux qui s'intéressent à la politique et au militantisme, moi j'y ai consacré ma vie, et le fait de voir que tout le monde a envie de se poser ces questions et de débattre, bon, bah, c'est une joie. Et donc je suis très heureux que dans le numérique, maintenant, tout le monde ait un avis. Et par contre, il faut le rappeler, tout le monde n'a pas le même avis. Donc il va falloir aussi qu'on apprenne à débattre sur des avis divergents sur les sujets. Et ça, c'est fantastique. Et RGPD là-dedans, bah, ça n'est de la même chose. Et à un moment, les Européens, RGPD, il n'y a pas eu des réunions entre les ministres du numérique et les ministres de la justice qui se sont retrouvés en disant « Comment on va faire pour bloquer les Américains ?» Ils se sont réunis en disant, dis donc, il y a beaucoup de ces données qui sont partagées, ça commence à nous poser plein de questions. Quel dispositif intelligent on pourrait créer pour créer une gouvernance qui permet à la fois l'émergence de nouveaux acteurs, l'émergence de l'innovation et en même temps la protection des utilisateurs. Alors au début, ça fait un gros machin.
Oui, au début, c'est un gros machin, ça a fait très très peur. J'étais sur cette scène, sur votre événement numéro 4, je crois. On n'a parlé que de RGPD, c'était l'année de mise en place. Et toutes les questions des entrepreneurs et toutes celles des journalistes, bah c'était vous deux d'ailleurs, je crois déjà à l'époque. On est très fidèles à la tribune. Elles étaient toutes sur, est-ce que vous ne croyez pas que vous allez tuer l'innovation en Europe avec RGPD? Est-ce que vous ne croyez pas que... Beaucoup d'entreprises se plaignent de la mise en place du DPO, de tous les... Est-ce qu'on va faire ces amendes à plusieurs centaines de millions qui pourraient mettre à terre les entreprises? On aura la CNIL ce soir qui va nous dire un demi-milliard d'amendes, hein, déjà. Oui, mais est-ce que ces amendes, elles ont empêché d'innover ou est-ce qu'elles ont à chaque fois... été décidée, et alors je défends la CNIL mais qui est indépendante, mais on lui a créé des outils à cette CNIL. Moi je trouve que toutes les décisions qui ont été prises ont été toutes dans un sens qui a permis d'améliorer le destin technologique collectif. Honnêtement aujourd'hui, quand le ministre tout à l'heure disait il y a des adaptations à faire, il y en a quelques-unes, mais vous savez, la plupart des jeunes entreprises innovantes trouvent que ça leur est plutôt bénéfique. La plupart des très grosses boîtes disent... Bah, ça a été un peu d'investissement parce qu'il a fallu mettre du monde, mais on a réussi. Ceux qui sont encore dans une difficulté aujourd'hui, c'est les plus petites PME, parce qu'effectivement, c'est dur à absorber la totalité de ce qu'il y a à faire, mais aujourd'hui, on a des offres de services assez qualitatives en France pour pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises qui n'ont pas les gens, qui n'ont pas le temps humain d'avoir des gens consacrés au sujet, mais qui doivent respecter ces règles. Mais objectivement, il n'y a jamais eu de sanction. Il n'y a pas de petite industrielle locale ou de PME française qui s'est fait sanctionner parce que son DPO a été nommé avec 6 mois de retard. Personne n'a été puni pour ça. Donc il faut toujours dans les régulations et sur l'IA. Vous savez, maintenant, on a parlé d'un règlement sur l'intelligence artificielle. Ça a démarré quand, le début de ce règlement? Une réunion des ministres du numérique en 2018 où on a signé un document collectif en disant « on ne va pas aller trop vite ». Mais on se donne tous l'intention d'arriver à quelque chose dans les prochaines années qui sera utile pour les citoyens, utile pour notre économie et qui permettra de développer tout en protégeant. Bon, ben, ça a mis 4 ans et là, le règlement arrive. Je crois que c'est un règlement qui va être intelligent, je crois qu'il va être un peu complexe. Mais vous avez vu, le ministre a déjà rappelé les choses. Plus vous êtes gros, plus vous avez des obligations. Plus vous êtes petit et plus vous êtes lié à l'intérêt général, moins vous aurez d'obligations. Je trouve que c'est pas mal, c'est proportionnel, c'est intelligent. Il y aura la question de la compliance. Qui c'est qui doit faire respecter ces règles? RGPD, on a un dispositif basé sur la compliance. Ça veut dire que c'est les boîtes qui doivent investir elles-mêmes pour le respecter. Et avec un régulateur à l'extérieur qui a un peu plus de moyens, mais ce n'est pas lui qui est chargé d'enquêter. Sur l'IA, ça va être une sacrée aventure. Si on donne au CNIL local la responsabilité d'être le contrôleur externe sur l'IA... Ça va être intéressant, mais je crois que pour ceux qui sont passionnés de régulation du numérique ou de régulation en général, là, la nouvelle étape qu'on va dépasser en termes de compliance, ça va être passionnant. Et donc, s'il y a des chercheurs, des étudiants, c'est le bon moment de continuer à avancer sur ce sujet. On en parlera avec la CNIL ce soir, elle sera là. Steven, vas-y. Alors du coup, c'est les CNIL qui vont être les arbitres de la guerre cognitive en donnant... en fait, il y avait James Giordano qui disait en 2018 qu'on entrait dans une ère de la guerre cognitive avec la tech au service de projets politiques. On a vu l'an dernier Elon Musk qui rachète Twitter, avec d'ailleurs une énorme dimension politique et même une bataille culturelle derrière. Donc en fait, la place de l'Europe, c'est quoi? C'est d'être l'arbitre de la guerre cognitive qui va arriver demain? Je sens que c'est une question pour moi, la guerre cognitive. Ouais. On pourrait rajouter TikTok, hein, avec vrai débat sur les dangers de TikTok pour les enfants. Très rapidement, la guerre cognitive, pour expliquer à tout le monde, parce que c'est un concept qui commence tout juste à émerger, qui n'est pas totalement fixé en termes de doctrine. Ça va sédimenter une partie de la doctrine militaire sur ce qu'on appelle les conflictualités hybrides. On a beaucoup parlé à l'aune de la guerre d'Ukraine des guerres informationnelles ou des luttes informationnelles et d'influence via les réseaux sociaux. Donc les campagnes d'ingérence, de désinformation, de manipulation de l'information par Prigogine, l'IRA, les Russes en Afrique, en Europe, etc. Bon. Ça ne date évidemment pas de là, ça date de bien plus longtemps que ça, mais disons que ça a mis tout d'un coup un coup de projecteur sur ce concept militaire. Et l'OTAN, à partir de 2019, a commencé à se pencher sur, finalement, non pas simplement la production de l'information comme arme de guerre, et rien de nouveau sous le soleil, vous me direz, on a toujours eu de la propagande, etc. Mais enfin, ce qu'amène la technologie, c'est une capacité de manipulation et massive et personnalisée à la fois. C'est de la personnalisation de masse, en quelque sorte. Et donc... la guerre informationnelle, c'est les stratégies industrielles d'ailleurs de fabrication des narratifs
sont en fait focussés sur le contenu. Qu'est-ce qu'on va raconter à qui, sur quelle cible ? Où est-ce qu'on va taper ? Sur quelle fragilité ? Sur quelle faille du système ? Et quelles sont les cibles fragiles du système qu'on va aller taper pour donc créer de la confusion, du doute, etc. Bon. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est l'extension de ça, c'est-à-dire qu'on ne va plus simplement s'intéresser à la construction de l'information ou de la désinformation, son corollaire, mais plus exactement à la façon dont chacun d'entre vous, je dis bien chacun d'entre vous, devient donc, par son cerveau, par ses cognitions, par ses subjectivités, par son émotion, par son individualité, par, ce qui fait que, par votre singularité, ce qui fait que vous, vous êtes vous et vous n'êtes pas votre voisin ou votre voisine, on va vous servir exactement le contenu qui va bien, au moment qui va bien, pour que vous soyez à même de l'absorber et en fait de le métaboliser. J'entre pas davantage dans les questions techniques, c'était pas le sens de la question, mais c'est quand même pour poser les choses, parce que c'est un concept qui va commencer à entrer dans le débat public progressivement, mais qui est encore émergent. Ce qui est intéressant à observer, c'est que des outils comme ChatGPT ou même toute la polémique aujourd'hui et le dossier sur l'affaire TikTok participent d'une certaine façon à ces réflexions-là. C'est-à-dire que TikTok, typiquement, ce n'était pas simplement la question des données personnelles ou des jeunes ou de l'addiction, etc. Mais c'était, et d'ailleurs, la question arrive des États-Unis, toujours encapsulée dans cette rivalité sino-américaine, et donc en fait de contrôle des points d'accès de la donnée. TikTok, c'est ça. Et avant TikTok, c'était Huawei. Et avant Huawei, c'était un paquet de projets de câbles sous-marins bloqués par les États-Unis. TikTok est un ultime avatar de cette rivalité sino-américaine qui est en train de se brutaliser, qui est en train d'être totalement militarisée. Et deux chercheurs américains ont travaillé sur ça, c'est-à-dire l'arsenalisation des dépendances et des interdépendances. TikTok avait l'ambition de devenir un point d'accès pour tout ou partie de la population américaine. Et à partir de là, il devenait en effet un enjeu de sûreté nationale mais pour les États-Unis. Pardonnez-moi, avec des effets déjà chez eux, voire chez nous, sur les jeunes adolescents. Je ne sais pas si vous avez vu ces statistiques sur le nombre d'adolescents américains qui sont sous psychotropes. Alors, peut-être il y a eu l'effet du confinement, etc. Mais beaucoup disent que cette économie de l'attention, aujourd'hui, TikTok et autres, ont un effet. Et en France, j'ai eu une opigiste qui nous a donné cette information, je ne savais pas, il y a des dizaines de milliers aujourd'hui d'enfants ou d'adolescents qui sont aujourd'hui mis par des médecins sous psychotropes. Oui. Est-ce que donc il y a un danger public ? Est-ce qu'on n'est pas à un point de singularité éthique, quelque part, sur l'usage sans contrôle ? Non. Et peut-être on pourrait poser la question à Marie également, enfin aux autres. Est-ce qu'on a atteint, oui, peut-être très rapidement, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, il faut qu'on reprenne le contrôle de tout ça ? Alors, est-ce qu'il faut qu'on reprenne le contrôle ? Oui, sans interdire doute. Interdire aux enfants, par exemple, d'avoir un smartphone où ils font n'importe quoi sur, pendant toute la journée à l'école. Prendre des mesures un peu Alors, à la question de TikTok, est-ce que TikTok est un point de singularité ? Non, parce qu'en réalité, les plateformes américaines fonctionnent exactement de la même façon, voire en termes de captation de données, pire. Donc, le sujet est systémique. Ce n'est pas TikTok, Twitter, Facebook. En réalité, c'est qu'est-ce que sont que ces réseaux sociaux ? Et en fait, ce sont des espaces, en effet, d'addiction, si on a envie d'avoir une analyse sur les usages, mais ce sont aussi des espaces de lutte géopolitique et idéologique qui poussent des agendas. Donc, une fois qu'on a posé ça, en effet, la question n'est pas simplement la question de la simple régulation ou des usages. Évidemment, c'est une partie de la réponse, mais ce n'est qu'une partie de la réponse. L'autre réponse, c'est de se dire comment est-ce qu'on appréhende collectivement, en fait, et en effet, là, pour le coup, ça reboucle avec votre question précédente, ou ta question précédente, est-ce qu'on est en train de changer d'ère ou de civilisation ? Et factuellement, oui. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, les institutions ou la norme peuvent repenser cette hybridation d'à peu près tout, ça va être la grande question, et je crains, personnellement, que penser avec nos réflexes normatifs du XXe siècle ne suffira pas. La question de la privacy en est absolument symptomatique. Tout le monde parle de la privacy des données personnelles. Dans nos usages personnels, on n'en a strictement rien à faire de lâcher nos données personnelles, soyons très clairs. Ouais, moi j'aimerais... En fait, aller un tout petit peu plus loin, c'est que je pense que c'est un problème systémique, effectivement, structurel, mais qui n'est pas lié qu'au numérique. Le problème, c'est qu'on a un modèle qui fait fonctionner nos économies et nos entreprises qui est
complètement désalignés. On n'aligne pas les intérêts économiques des entreprises avec les intérêts de la société et les intérêts de la planète. Je vous donne un exemple. Quand le patron de Netflix dit « Moi, mon principal ennemi », il dit même pas concurrent, hein, il dit « Enemy, my greatest enemy », c'est le sommeil, d'accord ? Sachant que le sommeil, et je venais de lire un livre quand j'ai lu ça, qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?», d'un chercheur justement spécialisé sur le sommeil, qui montrait bien qu'avoir perdu 15 minutes de sommeil dans les 20 dernières années sur la population américaine, à quel point ça avait augmenté les accidents cardiovasculaires cérébraux, les accidents de la route, le nombre de dépressions, l'obésité, et bref, que le coût sur la santé publique américaine avait été énorme. Donc en fait, on est dans un système où l'intérêt des entreprises, c'est-à-dire que ce pourquoi elles vivent et ce à quoi elles contribuent, est complètement désaligné avec l'intérêt de la société, l'intérêt de la planète, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le vrai sujet, c'est comment on arrive à réaligner tout ça, en fait. Voilà. Et ce n'est pas que la technologie, c'est pareil avec ExxonMobil, c'est pareil avec les vendeurs de cigarettes, enfin je veux dire, you name it, hein, aujourd'hui on meurt 3 fois plus d'obésité dans le monde que de faim dans le monde. Hein, je veux dire, donc on se crée les conditions, d'accord, qui sont désalignées complètement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on ne réalise pas à quel point dans la manière qu'on a eu de développer la technologie et dont elle s'est propagée, on a récupéré une idéologie ou une cosmogonie Silicon Valleyenne, mais qui n'est pas la seule manière de développer la technologie. Donc on a à notre conseil d'administration quelqu'un qui s'appelle Sename Kofi, qui est un anthropologue, architecte togolais, et qui travaille sur les cités intelligentes, sur les villes intelligentes. Et ce qu'il dit, nous, le fait de développer la manière dont des Américains, par exemple, pensent les smart cities en Afrique, c'est terrible en fait, parce que toute l'idée des smart cities, c'est de rendre les gens complètement stupides, parce que la machine va prendre les décisions pour soi et va nous isoler complètement, parce qu'on n'aura plus besoin de sortir et de se mettre dans une relation cognitive et d'évolution avec nos semblables en fait. Voilà, donc c'est toute l'idéologie, c'est de se dire on va tous devenir des super hommes. C'est Marvel, quoi. C'est les super-héros. On va devenir invincibles, immortels, et avec des super armes technologiques qui pensent pour nous et qui font ça. Mais ce n'est pas du tout au service d'une structure sociale. C'est-à-dire qu'on peut penser la technologie, et ce qu'il essaye de développer lui au Togo, c'est que la technologie est au service d'un groupe. Elle est au service d'une communauté locale pour qu'elle fonctionne mieux ensemble et pas d'un individu. Donc en fait, il y a aussi d'autres manières de développer la technologie qu'on peut penser, et il ne faut pas croire qu'il y a une seule manière. Donc la question, c'est l'objectif et l'intention, et justement cette idée d'aligner le business et l'impact. Une réaction, quelqu'un peut-être ? Ouais, pour continuer de réagir, je serais un tout petit peu plus optimiste sur le fait que l'Europe et la France sur ces sujets-là ne sont pas naïfs. C'est-à-dire que je ne crois pas que les Français et les Européens aient importé à 100% cette culture californienne et américaine, notamment parce qu'on n'avait pas la même culture des investisseurs, et tu en étais, et on n'avait pas la même culture des entrepreneurs. On a un entrepreneuriat qui est plus né du collectif. Et donc, moi, j'y crois assez, je crois très fort dans tout ce que tu dis, mais je crois que le premier continent qui va être capable de le vivre pleinement, c'est le continent européen, et que les 10 ans de la French Tech cette année, c'est aussi la cloche pour nous annoncer qu'une nouvelle ère de la transformation numérique commence, une nouvelle ère de l'innovation des entrepreneurs numériques français commence, et elle se fait au niveau européen, et elle se fait avec l'impact au cœur. Et dans les grands phénomènes du moment, il y a aussi le fait que toutes les grosses startups qui aujourd'hui sont très imposantes dans le monde numérique et dans le monde économique sont des vieilles startups. Et c'est plus des startups. Et donc aujourd'hui, Uber, Airbnb, Google, Facebook, il y a un moment, il faut arrêter d'en parler comme des startups. C'est des grosses vieilles entreprises et qui ont parfois des problèmes de grosses vieilles entreprises. C'est-à-dire qu'ils sont rouillés, ils nous font payer trop cher, ils abusent un peu trop. Et donc c'est souvent à ces moments-là que la régulation sert à quelque chose pour leur dire, attention, là, je crois qu'il y a quelque chose qui marche. On arrive à la conclusion. Nous, on a plein de jeunes startups qui sont dans la salle. Elles peuvent s'applaudir. Bravo les jeunes startups, on compte sur vous pour réinventer le monde. On arrive à la fin de cette table ronde, j'ai trouvé avec Sylvain absolument passionnante. Merci à tous les quatre d'être venus nous rejoindre. Et on poursuit
les débats. On vous retrouvera les uns et les autres dans l'après-midi. Il y aura quelques surprises, vous verrez. Un direct de New York avec Jean-Marie Messier, ça, j'attends ça avec impatience. On applaudit Philippe et Sylvain, leurs invités. Merci Mounir Majoubi et Josefovitch. Merci beaucoup Marie Ekeland également. Merci à Olivier Sichel et à Asma Mala.